comme celle de papa. Elle est si broussailleuse que l'hiver dernier, j'y ai retrouvé un écureuil endormi. Tu as encore quelques années à attendre avant que ta barbe ne pousse, Vic. Moins de dodo et plus de boulot. Tout de suite, capitaine. Ça, fiston, c'est le pouvoir de la barbe. Qu'est-ce qui nous attend, Europe? Après de modestes débuts, de grandes richesses attendent le puissant Alvar et son équipage sur l'île d'Emeraude. C'est la pire expédition qu'on ait jamais vue de mémoire de Viking. Nous n'avons absolument rien rapporté. C'est pas un fiasco sur toute la ligne, papa. Regarde ce que j'ai trouvé là-bas. Je crois que le drakkar prend l'eau. Il nous faut quelque chose pour boucher la fuite. Ah bah pour une fois, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà, tu feras un bouchon parfait. Mais bon, je l'ai. Arrête d'appuyer comme ça, espèce de barbare sur cervelle. Attends un peu que je sorte de là. Peut-être que là-bas, on pourra trouver du bois pour réparer la coque. Figure-toi que c'est exactement ce que j'allais dire. Tu as dû lire dans mes pensées. Vic, Urob, Fax, vous venez avec moi. Djur et Snor, je vous confie le drakkar. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi puissant que toi? Oh, c'est parce que sa barbe est une barbe de sagesse. Et la mienne est une barbe de pouvoir, ça n'a strictement rien à voir. J'aimerais bien comprendre le langage des barbes. Oh, il m'a fallu toute une vie pour l'apprendre. Que ça veut dire? Attendez, je vais traduire. De nombreux bienfaits attendent celui qui coupera cet arbre. Tu es sûr que c'est ce qui est écrit? Absolument. Sans me vanter, j'ai fini premier de ma classe en runes à l'école des druides. Cela dit, pour être honnête, nous n'étions que deux dans la classe. Moi et Idriss le fou. Je veux faire une pause. Mon caleçon est rempli d'eau de mer. Gorm, Ulm, allez écoper le caleçon de Snor. Hé, ne touchez pas mon caleçon. C'est un ordre. Et c'est qui donne les ordres? Toi ou Snor? C'est moi. Fax, tu vas couper cet arbre. Oh. Fax, retourne ta hache et serre-toi du côté tranchant. Je me disais bien qu'elle était un peu émoussée. Attention! Comment ça, je n'ai pas le droit de monter à bord? Vous devez d'abord demander la permission.
Je n'ai pas besoin de permission. C'est mon navire. Oui, mais vous m'avez nommé capitaine. Et moi aussi. Aou. Et maintenant, qui c'est qui commande? C'est vous qui commandez. Max, viens par là. Non, retourne-toi, Max. Tu l'as fait exprès, dur. Très bien, matelot. Pendant que vous finissez les réparations, Fax, Urob, Vic et moi, nous allons dans la forêt chercher de quoi faire du feu pour ce soir. Allez, en route, et on se dépêche. Ouais. On dirait qu'il y a une bête sauvage dans les parages. Je m'en occupe. Hey, c'est mon morceau préféré. J'adore aspirer la moelle. Ne t'en fais pas, je vais le récupérer. Le petit chien. Attends-moi. Qu'est-ce que c'est? Capturez les intrus. Approchez un peu. Je vais tellement vous aplatir que même votre mère vous prendra pour une crêpe. Vous avez abattu notre chaîne sacrée. Et vous devez en payer le prix. Et si nous discutions de ça de druide à druide? Je connais la poignée de main secrète, je dis. Oh, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Non! Oh, comment osez-vous? Je vais vous rembourser les dégâts. Je crois que j'ai laissé ma bourse à la maison. Matelot, donnez-moi tout ce que vous avez. Allez, sans rancune. Vous nous insultez. Notre chaîne sacrée était inestimable. Il ne peut y avoir qu'un seul châtiment. Que le grand esprit des arbres vous pardonne. Nous allons vous emmener au grand hôtel du rasoir. Et nous allons vous couper la barbe. Me couper la barbe? Viens par ici, mon petit chien. Viens voir la belle corde. C'est toi qui as aboyé? Oui. Ouf. Ouf. Ça veut dire bonjour. Est-ce que vous avez des puces en langage de chien? Un chien? Attends un peu, je m'occupe de toi. Maintenant, revenons à notre viking. Thor, grand dieu du tonnerre, frappe ceux qui voudraient raser Alvar, ton serviteur valeureux et si joliment barbu. Qu'est-ce que c'était? Nous avons provoqué la colère de leur dieu du tonnerre. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Oh, je savais que Thor ferait tout pour protéger ma barbe. En vérité, votre dieu du tonnerre est puissant. Je n'aurais jamais dû essayer de raser l'un de ses serviteurs. Et si on faisait un peu de rangement avant de s'en aller? Mmh.
Ça me rappelle la maison où j'ai grandi. On était trop pauvres pour se payer un toit. C'était pas très drôle quand il pleuvait, mais au moins on n'avait pas à se lever du lit pour prendre un bain. Oh, regardez ce que j'ai trouvé! Un trésor! Des glands! À présent, nous allons pouvoir faire pousser un nouveau chêne sacré. Vous en voulez un à planter chez vous? Oh, merci! Je vais l'appeler Yggdrasil. C'est le nom que je préfère pour baptiser un arbre. Je pense que c'est un nom bien chouette. Je construirai ma hutte sur les branches. Eh bien, on dirait que ça devient une habitude. Je nous ai encore sauvé la mise alors qu'on était dans le pétrin. Oui, mais avec l'aide de Thor et celle de Vic. Tu sais, je crois que je vois un début de barbe sur tes joues, fiston. Une barbe? C'est vrai? Tu seras un grand chef de village un jour. Comme toi, papa.